Bonjour, soy Anne Castelló y hoy vamos a ver conjugaciones en francés. Vamos a hablar del passé composé. Vamos a ver los principios básicos y hacer dos ejercicios. Bonjour, soy Anne Castelou, soy francesa y llevo 10 años dando clases de, de francés aquí en España, principalmente a universitarios y adultos. Si quieres conocerme mejor, me encontrarás en mi blog, moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en mi página de Facebook, Comunica en francés avec Anne, donde tienes un montón de contenidos diarios en francés. Además, si quieres recibir gratis mi pack ¿Cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone? Aquí tienes el enlace que te llevará a la página de inicio de mi blog donde encontrarás un formulario para descargarlo. ¿Por qué el pasado utilisé Es, con el imperfecto, el tiempo del pasado más utilizado en francés. En francés actuel, On n'utilise plus le passé simple, sauf dans les écrits formels et la littérature. Il est remplacé par le passé composé. En francés actual ya no se utiliza el passé simple, excepto en los escritos formales y en literatura. Es sustituido por el passé composé. Entonces es distinto del español, donde el pretérito simple es muy utilizado. En francés es todo lo contrario. C'est surtout le passé composé, le passé composé. Comment se forme le passé composé Comment se forme le passé composé Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. En mi parina web, moncoindefrance.com, te invito à repasser les auxiliares en este article Verbos en français, auxiliares, être et avoir. Et puis à repasar también los participios. En este article, verbos en français, les participios, les participes passés. Exemple avec l'auxiliaire avoir. En règle générale, le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Pour règle générale, le passé composé se conjugue con avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai parlé, tu as fini, il a écrit, elle a promis, nous avons fait, vous avez ouvert, ils ont couru, elles ont bu. De paso, quiero remarcar que he presentado los verbos en tablas separando el pronom sujet de la auxiliar y del participe passé. Esto es una técnica que te aconsejo llevar a cabo siempre que estés estudiando una conjugación. Esto forma parte de los consejos que te doy en mi book gratuito, Cómo aprender francés rápidamente. Lo puedes descargar en este enlace. Seguimos con el auxiliar être. On emploie l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement y le verbe rester. Se emplea el, el auxiliar être » con los verbos de movimiento y el verbo « rester »« quedarse ». Exemple « aller »« venir »« partir »« arriver »« tomber »« entrer »« sortir » etc. Todo lo que supone un movimiento. Donc, on va dire « Je suis allé »« Tu es venu »« Il est parti »« Elle est arrivée » Nous sommes tombés, vous êtes restés, ils sont entrés, elles sont sorties. Aquí ves que he separado il y él y he hecho lo mismo en, en plural. Porque quiero que veas como en femenino llevamos un participio femenino, le ponemos la e final, y como en plural lleva la s. ¿De acuerdo? Y en el caso de él en plural. a la E del femenino, et la S del plural. Autres exemples avec l'auxiliaire être. On emploie l'auxiliaire être avec les verbes naître et mourir. Nacer et Je suis né. Tu es mort. Il est né. Elle est née. Nous sommes morts. Vous êtes nés »,« Ils sont morts. Elles sont mortes. qui también. El participio pasado lleva el femenino y el plural según los casos. Derniers exemples avec l'auxiliaire être. On emploie l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux. S'emploie se l'auxiliaire être con los verbes pronominales. Exemple se lever, s'asseoir, se laver, se coucher, se dépêcher, se déplacer. Y aquí también ves que en el cuadro he añadido una columna para el pronombre reflexivo, para que lo distingas bien. En particular, para lo que les perturba un poco a los, a los españoles, este nu, nu, vu, vu, no se repite el pronom sujet, sino por una parte tenemos el pronom sujet, por otra parte tenemos el pronom réfléchi. Son prácticamente los mismos pronombres reflexivos que en español. ME, TE, SE, NOS, OS, SE. Entonces, en pasé composé, de nuevo, como tenemos el auxiliar être vamos a tener los participios pasados que van a llevar la marca del femenino y la marca del plural cuando sea necesario. Je me suis levé. Tu t'es assise. Il s'est lavé. Elle s'est lavé. Nous nous sommes couchés. Vous vous êtes dépêchés. Ils se sont déplacés. Elles se sont déplacées. Para más détails sobre el passé composé, te invito à leer este articulo en moncoindefrance.com. Verbos en français, el passé composé. Donde te explique esto de forma más détaillée. Exercice. Exercice à trous. Delphine raconte son week-end. Télécharge le PDF. Passé composé exercice. Écoute et trouve les verbes au passé composé. Delphine, cuenta su fin de semaine. Descarga el PDF passé composé exercice en el enlace aquí abajo ou en el del video e imprímelo. Luego escucha y encuentra los verbos en passé composé. Samedi, je me suis levé tard. J'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements confortables et j'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse. Il faisait beau et j'ai décidé d'aller me promener. À mon retour, j'ai acheté du pain et j'ai rencontré mon amie Christine. Elle m'a proposé de passer la journée avec elle. Nous sommes allés chez elle. Elle a préparé le repas et nous avons mangé dans le jardin. Puis, nous nous sommes allongés au bord de la piscine et avons passé un après-midi tranquille. Le soir, nous sommes allés au cinéma et avons mangé au restaurant. Nous nous sommes couchés tard. Alors dimanche, j'ai fait la grasse matinée. J'ai fait le ménage et préparé le repas, et à une heure, mes parents sont arrivés. Nous avons passé le reste de la journée ensemble. Alors, nous allons voir le corriger. Samedi, je me suis levée tard. Aqui, como ves, he puesto una e final porque es delphine la que habla, es una chica. J'ai pris une douche, est-ce qu'on est l'auxiliaire à voir, con lo cual no lleva la marca del femenino. J'ai mis des vêtements confortables et j'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse. Il faisait beau et j'ai décidé d'aller me promener. À mon retour, j'ai acheté du pain et j'ai rencontré mon amie Christine. Elle m'a proposé de passer la journée avec elle. Elle m'a proposé de passer la journée avec elle. No es un pronominal. En este caso, la M es el complemento. Representa moi. ¿Vale? Con lo cual, seguimos con el auxiliar avoir. Nous sommes allés chez elle. Somos dos. Las dos somos chicas. Con lo cual, ale lleva la marca del femenino y del plural. Elle a preparé el repas. et nous avons mangé dans le jardin puis nous nous sommes allongés verbo pronominal entonces tenemos el pronombre reflexivo nous sommes allongés tenemos el auxiliar être y luego el participio pasado lleva la marca del femenino y del plural donc nous nous sommes allongés au bord de la piscine et avons passé un après-midi tranquille à qui No he repetido el sujeto, el pronombre sujeto, nu, no, porque es una enumeración y para aligerar el estilo, suprimo este sujeto. Es el único caso en francés en el que podemos mmm, prescindir del pronombre sujeto, cuando hay una enumeración y varios verbos seguidos. Entonces, realmente sería «nous avons passé un après-midi tranquille». Le soir, nous sommes allés au cinéma. C'est le verbe aller, verbe de mouvement, auxiliar être. Et nous avons mangé. Normalement, est supprimé le nous pour alléger de nouveau en la enumeración Et avons mangé au restaurant. Nous nous sommes couchés tard. aquí se coucher, verbe pronominal, con lo cual tenemos el auxiliar être. Y el participio pasado lleva la marca del femenino y del plural. Donc, nous nous sommes couchés tard, alors dimanche, j'ai fait la grasse matinée. J'ai fait le ménage et préparé le repas. Aquí que he hecho. Aquí no solo he suprimido el sujeto, pero también he suprimido el auxiliar porque es el mismo de acuerdo y con lo cual no lo he repetido. Si os fijáis en los dos casos precedentes, teníamos nous nous sommes allongés et avons passé. Primero el auxiliar être y después el auxiliar avoir, con lo cual no lo puedo suprimir. En el segundo caso igual, teníamos nous sommes allés et avons mangé. Pero en este caso es j'ai fait et j'ai préparé, con lo cual puedo prescindir del sujeto Et de l'auxiliaire. J'ai fait le ménage et préparé le repas et à une heure mes parents sont arrivés. Nous avons passé le reste de la journée ensemble. Siguiente ejercicio. Es del mismo tipo que el precedente. Vas a utilizar el mismo pdf, vas a escuchar el vídeo y encontrar los verbos al passé composé. Karine appelle ses parents et leur raconte sa première journée de travail. Écoute et trouve les verbes au passé composé. Utilise le même PDF passé composé exercice. karine llama a sus padres y les cuenta su primer día de trabajo. Hier j'ai commencé à travailler comme monitrice au centre aéré. J'ai rencontré la directrice et elle m'a montré le centre. On a fait le tour de toutes les installations et elle m'a présenté au reste de l'équipe. Ensuite, j'ai suivi l'un des moniteurs. D'abord, j'ai juste observé. Il m'a expliqué les normes du centre et après la première activité, il m'a raconté ce qui était prévu pour la suite et m'a proposé d'animer le jeu avec son aide. J'ai eu le trac mais je me suis bien débrouillée. Tous les moniteurs ont déjeuné ensemble pendant l'heure de temps libre des jeunes et j'ai pu mieux les connaître. Ils m'ont donné des conseils et au long de l'après-midi, j'ai eu de plus en plus de responsabilités et j'ai animé deux jeux toutes seules. Voyons maintenant le corriger. Hier j'ai commencé à travailler. Comme monitrice au centre aéré. J'ai rencontré la directrice et elle m'a montré le centre. On a fait le tour de toutes les installations et elle m'a présenté au reste de l'équipe. Elle m'a présenté, en este caso, soy una chica ya que me llamo Karine, con lo cual el participio pasado lleva la marca del femenino. pero cuidado no se trata en este caso del pronominal se presenter, presentarse sino es que es ella que me ha presentado es el verbo presentar con lo cual el auxiliar es el verbo avoir pero qué pasa que en este caso claro he empleado el auxiliar avoir ya que no es pronominal pero le he puesto la marca del femenino por qué porque soy Karine, soy una chica, el complemento directo, al estar antes del auxiliar, me ha presentado, en francés lleva la marca del femenino. Esto es un poco difícil, se trabaja ya a niveles altos, de momento simplemente te doy la explicación de por qué es así. Entonces, como tengo el complemento de objeto directo, antes del auxiliar avoir ese, ese me M apostrophe por eso lleva la marca del femenino. Ensuite, j'ai suivi l'un des moniteurs. D'abord, j'ai juste observé. Il m'a expliqué les nombres du centre. Ves, como en este caso, como tenemos un complemento de objeto indirecto, decimos expliqué quelqu'un a expliqué à moi, hein? Il a expliqué à moi est indirecto, con lo cual nunca lleva la marca del femenino ni del plural, si fuese el caso. Il m'a expliqué les normes du centre et après la première activité, il m'a raconté ce qui était prévu pour la suite et m'a proposé d'animer le jeu avec son aide. J'ai eu le trac mais je me suis débrouillée. En este caso, sí que es un pronominal. Se débrouiller. Apañarse. Con lo cual, aquí, sí que tenemos el auxiliar être. Y evidentemente, en este caso, no hay duda, ponemos la marca del femenino. Je me suis bien débrouillée. Tous les moniteurs ont déjeuné ensemble pendant l'heure de temps libre des jeunes. Et j'ai pu mieux les connaître. Ils m'ont donné des conseils. y long de del midi j'ai eu de plus en plus de responsabilités y j'ai animé deux jeux toute seule. En este caso, si te fijas, no he suprimido ni el sujeto ni el auxiliar. Es que esto es lenguaje hablado, Entonces muchas veces hacemos la repetición en lenguaje hablado que no haríamos en un lenguaje escrito. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este vídeo te ha gustado, no olvides ponerme un me gusta. Y si piensas que puede interesar a amigos tuyos, sé generoso y compártelo. Merci y à bientôt. Au revoir.